Ataïse Facham, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Je dis à ce vendredi 2 août 2024. Déjà, je souhaite vous passer un très bon début de week-end. Très bon vendredi. Veuillez côté, n'a met pied. Ça, extrêmement important. Grand point qui a dominé l'actualité. Hein? Après les examens, tu es fini débarquer la caille dans le business journaliste Robert Céline dit Bob C. dans Gressier. Eh bien, Bob C, nous avons une nouvelle, nous avons un détail qui baille, nous avons un update dans le dossier là, ou pour qu'on ait exactement qui ça bagaille là. Dans le dossier corruption qui concernait trois présidents dans le conseil présidentiel transition, gen information qui baille, gen des détails supplémentaires qui baille. Tant par exemple, procès-verbal déclaration président conseil administration BNC à Raoul Pierre-Louis. Gen un parallèle qui pral fait là tout à l'heure comme ça en déclaration Raoul Pierre-Louis ak déclaration youn nan président yo. Nous prenons et comprenons pas gagner trop grandes différences dans sa deux parties yo même yo bay comme détail. Si pour Raoul Pierre-Louis, conseiller présidentiel, yo c'est trois corrompus, trois chats, trois mimi-miaou qui te vin faire l'argent avec lui pour vendre les postes, pour vendre les jobs, et bien il y a un conseiller président yo qui lui-même qui déclarait ça qu'a passé là. Et scandale ça qui gagne dans le conseil présidentiel transition, c'est plus moun qui t'a voulu écraser le conseil présidentiel, que ce soit moun qui gagne intérêt politique qui n'a pas premier ministre Gary Conille, ou bien l'autre acteur dans le secteur privé qui t'a envie, dans ce moment-là, le conseil présidentiel transition a passé ton coup Jean Bagayoté sous Ariel Henry. Qui ça le dit? Qui sa déclaration président vle di? Nous pral ba ou détail, compatriotes haïtiens frères et et nous gen yon vidéo, nous pral partager également. Peut-être gen moun ki te konel, kon sa tout gen moun ki pat konel. Rencontre qui te fait nan BNZA, nan Royal Oasis, nan hôtel Royal Oasis, c'est pas un rencontre kon sa kon sa. Nan même hôtel za, gen yon sur kou sal BNC, et sur kou sal za, en pile fois, ou bien pour me pas dire toujours, c'est des séries de gros paletons dans la politique, gros zouzou dans le secteur privé, c'est censé eux-mêmes qui utilisent. Nous prenons qu'on est véritablement qui ça n'est pas fait dans la chambre 408 là. Gen vidéo, gen détail, gen déclaration, nous prenons partager avec vous. Déjà, m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification, comme ça. Ou après te connecté avec nous, pas prater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. N'a pas commencé émission et avec une information extrêmement importante. Depuis jour premier contingent Kenya yo atterri dans pays d'Haïti jusqu'à jeudi aujourd'hui. Il y a une question qui a posé, et d'ailleurs, ce n'est pas toute la société qui a mis d'accord sur Vini Fossa. Parce que, il y a des gens qui dit le force étrangère foule sol ou, automatiquement, c'est souveraineté pays ou li violé. C'est souveraineté pays ou li passé en bas pied. Ils n'ont pas respecté nous comme peuple. Ils n'ont pas respecté ça nous gagne comme histoire. Ils n'ont pas respecté ça nous yé comme monde. Moun sa yo ki fait déclaration mba yo raison tout à fait à 200% parce que n'importe pays étranger, n'importe force étrangère qui foule sol ou automatiquement que ce soit ou même qui t'a invité le vini ou bien c'est yo qui vient avec gros poignet, ça veut dire yo pas respecte comme pays, yo pas respecte souveraineté ou et souveraineté en pays depuis nous perdu, depuis nous pas bataille pour nous rapatrier, là y a parlé de peuple, là y a parlé de pays son côté pour nous t'al mettre corps nous, c'est nous trou pour nous ta fourer tête nous parce que l'autre pays pas garder pour rien, l'autre nation pas considérer comme rien. Dans moment c'est ça Haïti, c'est comme ça yo considérer nous, yo pas considérer nous comme rien que dalle. Depuis les forces kenyan yon rentre dans le pays, eh bien, policiers ou bien soldats kenyan sa yo, officiers kenyan sa yo,
Et c'est bras y a fait, c'est bras y a fait, y a touché bien, y a passé belle, y a bien mangé parce que dans pays yo, yo présenté yo comme des héros, moun kap bataille contre gang, qui rive récupérer l'hôpital, puis gros cet hôpital y est payant, etc. Dans pays Kenya yo présenté Kenya yo comme bon bagay, on comprend bon bagay moun kap bataille. Mais en réalité, faut moi di nou bagay yo pa sa yo ap di de force Kenyan yo, c'est pas ko bagay lan sa. Genye Nations Unies hier ki li même annoncé hier que policier Kenyan yo nou pa besoin bay tête nou problème. Nou pa besoin tracasser tête nou parce que policier Kenyan yo yo pa sou payroll gouvernement haïtien mais plutôt c'est Nations Unies ka paye yo. Et chaque mois, je nou ka constate là nan poste si la, policier Kenyan yo yo genye yo allocation alimentaire qui équivaut à $756. Les policiers kenyans déployés dans la mission multinationale bénéficient d'une prestation de subsistance de $756 par mois selon Kenyans. Kenyans son journal dans pays Kenya. Ces policiers kenyans reçoivent par ailleurs $1,410 par mois de l'ONU. Donc, ces Nations Unies qui payent, yo, yo ba yo $756 yo touche chaque mois et pour question manger, pour yo gérer manger yo, pour yo gérer question alimentation yo. Donc, Nations Unies, m'ba konnen pour qui motif, yo gale tellement ouais n'a fait comparaison entre quantité l'argent yo a payé policiers kenyan yo et policiers pa nou yo qui là et soldats la médaille yo yo mette non coin qui pas prégle rien yo. Donc, yo obligé fait ti lumière sur situation pour yo di nou tête frette policiers kenyan yo même l'endan de y a touché $756 chaque mois pour manger yo seulement et eh bien c'est Nations Unies qui paye yo, c'est pas l'état haïtien qui paye. Donc sou pa konnen ou tout konnen des séries de policiers yo relé yo cherche yo al chercher yo nan pays yo, yo vin en Haïti avec yo soi-disant pour venir aider combattre insécurité, pour venir aider combattre gang, pour venir aider la police faire face contre bandi nèg ak zam yo. Yo a touché toute l'argent sa yo et en réalité nous pa wè pour qui résultat, nous pa wè qui ça changer dans situation malheureux yo, nous pa wè grand ak soutien au débloqué, nous pa gagné facilité pour nan sot la caille nous pour nous dire nous pral Jacmel, nous pral nan plage Remolè ben, nous pa ka quitter la Port-au-Prince pour nous dire nous pral nan sud pays an, nous pa ka quitter capital pays pour nous dire nous pral la Tibonite, nous praler quoi des bouquets, nous praler Badelma, nous praler XYZ parce que yo sous contrôle bandi, yo sous contrôle nèg exam. Il est tellement vrai et gen yon vidéo m pral partager avec nous côté nous pral wè comment nèg exam yo même yo débarqué la caille Bobze et nan business tout temps le Bobze était qu'on a bay journal était qu'on a présenté et li genyen et autoparty Bobby autopart li genyen compagnie bus li etc. Et bien nous pral wè et à cause situation pays hein, Bob c'est pas premier moun ki victime et si pas ganyen ki fait, c'est pas dernier moun ki victime haïtien dans pays hein, moun ka viv an Haiti zanmi yo ki nan diaspora c'est chaque jour y a victime par rapport avec situation pays hein, par rapport avec nèg exam yo. Mais qui ça qui jam fait? Pas jamais gagné avec fait, pas jamais gagné avec dit entre temps, bandit yo a pris plus territoire, bandit yo a fait et toute exaction yo, y a touillé, y a fait cadejac, y a violé, y a volé à faire moun, y a crasé, y a brisé, y a pillé. Et voilà. Je n'ai pas constaté là dans vidéo, eh bien, nous n'en graissier, et là, c'est exactement, voilà, nous en exam yo. Yo fin fait, yo fin fait forfait yo et puis a filmé pour yo montrer qui ça yo réalisé. Voilà. N'a pas rentré là. N'a pas rentré. Des séries de machines, camionnettes, bus qui dans la cour, voilà. Nèg yo mette du feu. Yo vandalisé kailan. Yo pillé, yo moulé. Voilà, nèg yo fier, reprenne, parce que yo montre se yo kleta. Se yo kleta, mwen pa mwen konnen comment Ramon Normil senti nan moment, parce que nèg yo di tout bagay sous contrôle. Président Edgar Leblanc fils, sa le fait propagande li. Au moins sou ta le font propagande, kote moun te wete gwo bagay ki ta prekle.
Wal bay menti. Wal bay menti pour dire tout bagay sous contrôle et voilà. Là nous nan gressier. Côté moun gressier oblige à courir quitter caillou pour être bandi. Voilà. Ces gens n'a constaté là. Voilà. Donc c'est comme ça nèg exam yo yo débarqué la caille bobzé dans busici yo pillé yo vandalisé et ça yo poté aller ça yo metté du feu yo metté du feu. Mais faut moi dit non gayé yon confrère la presse et qui lui-même qui t'ai checké pour connait comment et bobzé mentalement est-ce qu'il était là dans moment et attaque là etc. Eh bien bobzé li en forme bon. Li en forme physiquement, li sene sauf, li pas atteint physiquement, mais tout entrepreneur, tout moun ki genye, que ce soit un entrepreneur qui te gen business, moun ki te gen kayo, pour tombe matin, pour tout sort te genye, on groupe neganik vini yo débarqué comme si c'est yo même qui l'état, comme si c'est yo même qui et reprendre qui se met paysan yo débarqué yo détruit tout sort te genye, tout sort te prend des années pour construire pour mettre campé. Donc n'a connait et mentalement émotionnellement moun n'a pas jamais en forme mais jusqu'à présent li poko rive ka bayon bilan de dégâts qui fait yo de pertes qui et qui enregistré yo le pas ka bayon bilan mais li même personnellement li en sécurité li safe et plus de peur que de mal. Bon, nous connaît déjà question sécurité a et nèg sa yo ki nan l'état que c'est chef CSPN premier ministre que c'est DG la police etc. Moun sa yo jusqu'à présent yo montré c'est sous bluff yo pas gagné sérieux pas gagné de concret qui a réglé nèg yo plus penché sous corruption yo plus penché sous malversation donc c'est ça y a réglé. Nous porté yon vidéo pour nous pral permettre tout garder vidéo non Oasis gen moun peut-être qui te connait gen moun qui pas te connait. Dans l'hôtel Oasis, il y a un succursale BNC. Voilà. BNC Oasis. Succursale BNC, ça, on a regardé dans l'hôtel Oasis. Lui-même, il est là spécifiquement pour le bail des séries de services, pour faciliter des séries et de monde, une prendre service beaucoup plus rapide, etc. etc. Est-ce que son coïncidence si trois présidents yo retrouvé yo nan moment rencontre avec le président conseil administration BNZ, est-ce que son coïncidence pour te retrouvé yo dans hôtel Oasis côté bonjour que ça BNZ côté yo connaît yo ka joine président conseil administration alors que yo gen l'autre chambre hôtel dans plusieurs autres hôtels dans capitale là. Est-ce que son coïncidence ou bien nèg yo te gon bagay, yo ta planifié, yo te gon bagay même, yo te espéré jwenn le yo aller dans Oasis, le yo aller pour yo rencontrer président conseil administration Raoul Pierre-Louis. Parce que bagay yo bay pa gen azan nan bagay yo. Et d'ailleurs nèg sa yo, c'est des manipulateurs politiques yo, c'est des séries de graines pour mener yo, c'est des séries de nèg qui connaît qui stratégie pour utiliser les yo vle face tracio. Que vous voulez, que vous parlez, nèg yo te connaît ça que t'as préparé. Nèg yo te connaît ça que t'as préparé, ça que t'as commandité. Yo allé dans BNC, yo allé dans Oasis, yo rencontré président conseil d'administration, qui lui-même était présent dans Bakla, te gagné discussion, échange qui t'a fait, etc. Et comme si de rien n'était, trois présidents yo te là au hasard, et puis. Et docteur Gérald Gilles lui présente Esprit Augustin Avertiler et par la suite et comme ça président invité au Lacaili etc etc comme ça est-ce que son hasard si pendant trois présidents yo même yo tenant Oasis bon succursale BNCA et puis yo tout profité rempli et yo tout profité et rempli formulaire pour carte de crédit. Est-ce que son hasard? Compatriotes haïtiens frères et sœurs, pas gen hasard nan bagay yo. OK? Pas gen hasard nan bagay yo. Gen procès verbal, déclaration ou bien témoignage président conseil administration BNCA Raoul Pierre-Louis. M'pral permettre nous tande comment Raoul Pierre-Louis version par Raoul Pierre-Louis hein, suite avec question 100 millions goud la rencontre qui te gen avec trois présidents yo.
Et comme ça, nous allons commencer à faire nous à l'idée que le dossier corruption ça qui gagne dedans le Conseil présidentiel transition, il y a des choses qui sont graves toujours. Depuis ce côté qui gagne l'argent, depuis ce côté qui gagne zo, ou pas pas jouer le président là. Parce que les gens décident de manger, viennent dans même zo, y a craser, y a soucier, ou pas quitter rien pour le peuple. On nous attendait tout détail qui a baillé dans procès verbal, témoignage, président du conseil d'administration BNC, lui-même, li baille, il fait, baille un juge de paix. On a. Même mon bail, il dit, président, ça fait 5 ans ou dans position ça. C'est un conseiller qui a parlé avec le président et BNC. À chaque fois où tu as besoin d'aide pour parler avec Kiko ou Sonson, pour te parler avec ni Jovenel ni Michel, pour où, quel que soit l'heure, moi t'es toujours répondre présent. Depuis où nan position ça, depuis où nan poste ça, même où nan poste ça, ou pas facilité pour moi te acheter ou machine ou bien ou caille BNC saisi. Ou pas, j'aime bon occasion pour me faire ça. C'est un conseiller qui a dit, président BNCA, la reproché. Parce que il n'a pas fait joindre rien. Donc, ça c'est une partie de la conversation, etc. Ça, on a dit, pas une preuve, pas une preuve, etc. Bon, ok. Mais, et BNCA font déposition. Et Darius pral di nou saldi. Dan. Anal. Bon. Nous va les faire exercice là, ben on va pouvoir faire la paraître dans l'écran tout ça. Oui, il met pas c'est lui là. Oui. Yon ti yon piti. Piti. Magistrat, moi c'est Raoul Pascal Pierre-Louis. Scoop. Moi c'est président Banclan depuis novembre 2019. Mais avant, moi t'ai fait partie Scoop. De l'autre conseil dans Banclan. C'est notre date 25 mai 2024, mon recevoir un appel téléphone de CP Louis Gérald Gilles. L'idim l'attend moi dans l'hôtel Oasis, chambre 408. Effectivement, moi vini dans l'hôtel Oasis là, bon il est 15 dans l'après-midi. L'idim que li gen rendez-vous à PMAIA, le fait que li là faut que nous aller vite. CP Gilles, ensemble avec un concile qui était avec lui, il a pris un téléphone moins, il a une façon pour moi pas enregistrer conversation notamment avec gagné. Il est intelligent. Il a gagné dès l'autre CP avec lui, qui c'est Emmanuel Vertilaire avec Smith Augustin. CP Gilles commençait à présenter par l'autre monsieur, Lydie. Moi, c'est frère, c'est un mime. Moi, qu'on a la cali, moi, qu'on mange, boit avec lui. Mais, monsieur, gain l'argent pour le rester dans poste là, faut qu'il paye. Faut qu'il ban nous 100 millions de goudes. Moi, mandel, côté mon pral joint ni. Moi, expliquer combien cob m'a touché par mois. Salaire moins, c'est un coup salaire, un assistant directeur dans BRH. Et moi, dit, moi, gain deux familles, m'pap gain l'argent. Lidi qui ça qui gagnait même dans BNC. Scoop. Moi dit moi qu'a facilité yon moun yon carte de crédit. Lidim li pas dans carte de crédit. Lidim li pas dans carte de crédit parce que li te prend yon nan problème carte de crédit déjà. Moi dit s'il besoin yon prêt ou ligne de crédit vini avec un document moins qu'a fait aller plus vite pour li. Moi dit tout gen liste bien banque là. Que m'ka partager avec lui au début li te dim li pa besoin 4 si pour li ta prend 4 là faut que c'est moins qui t'a payé le pour lui finalement yo accepté prend 4 là yo mandé m combien cob 4 là ka gen sou li moi di yo c'est $10,000 américains moi ka ba yo mais yo pas d'accord yo mandé nan ki niveau 4 là ka arrivé moi di yo c'est $20,000 américains. Yo tout d'accord et yo rempli tout formulaire qui bay condition pour gen 4 dans banque là finalement yo tout gen 4 yo.
Après, yo di m, comme yo pressé, yo te gen rendez-vous avec PMAIA. Moi met allé la caille moins à réfléchir. Y a vini la caille moins 1er juin pour me préparer yon dîner pour yo et puis tout quitter bagay la pour yo et puis les rencontres la fini, yo remettre moi téléphone. Pendant ce maintenant, CPJ le relim. Li di m que n'a pu faire rencontre la samedi 1er juin. Moi écrit pour me dire c'est manger seulement pas gen l'autre bagay. Li écrit pour le dim, c'est un bagay social amical. Jou qui te 30 mai, li te fait Dieu, jou qui te 30 mai, fait Dieu, li voye chauffeur qui relé junior côté m la kala et li dim si bagay la pare, voye le boule. Samedi qui te 1er juin, yo vini la kala bon 6 ans à soir pendant m'a manger. Gilles ak Smith relem, yo dim an soti de yo a pour nous al faire un petit parler sous ça yo te pour la faire un petit parler, yo mande m pour bagay la. Mon répéter yo encore, moi pas gagnel. Gilles insisté faut que moi bay un bagay. Après CP Smith dit que m'bay kem pa bay, moi gen sipol. Après samedi 1er juin, moi pensé toute bagay était fini. Le 27 juin, nan matin, bon 7h30, moi recevoy un appel de CP Gilles, li di m faut que li wèm en urgence parce que c'est jodi a li pral fè conseil BNC. Moi dil, moi gen un funérail que moi pral aller, c'est maman président APBA. Moi c'est vice-président, moi obligé aller. Li di m rencontre ça t'a pral fait entre lui-même, CP Smith avec Patrick Sili Joseph, li di m quitter le relais CP Smith. Ça qu'il fait après ça il relève encore pour le dim CP Smith dit li pas dans affaire avec du tout parce que moi te promets yo moi pas ba yo en rien li mandem pour me relève CP Smith ça qu'il me fait li dim c'est pas ça qu'il dit li pas vinn chita ak politicien qui était là qui c'est Patrick Sili côté CP Smith dim que moi acheter kay machine pour CP Fritz Jean et moi dit que me pas jamais rencontré avec Fritz Jean depuis les dans CP. Moi retourner relé CP Gilles pour me dire mais ça CP Smith dit après ça moi aller dans enterrement l'aime venir sur enterrement moi relé moi pas joindre ni. Le 7 juillet CP Gilles t'a fait une fête la Kali moi gagne un ami qui relé Fritz William Michel qui était dans fête là al parler à cri de moins. Li di li pa nan moins dit tout, li cementé mon te fait promesse moi pas respecté. Nan demain moi relé yon frère Gilles pour me dire ça qui passé a. Frère Adim gen bagay, li pa gen bagay qui passé, faut que moi pas parler. Sous tout ça k'ap di nan la presse, moi pas senti me touché pa yo parce que me pas ta négocier poste et ça pas nan habitude. Voilà, c'est déclaration ça. Voilà, nous s'attendons déclaration, nous s'attendons et lecture, si nous avons dit comme ça, de procès verbal, déclaration que président conseil d'administration BNC, M. Raoul Pierre-Louis, lui-même, lui fait. Côté que, lui bail tout détail, lui bail toute explication. Et mais comment rencontre la t'est faite, mais qui ça qui t'est dit, mais qui ça négocié mandé li, etc. etc. Dans commencement émission, hein, nous allons montrer nous une vidéo qui gagne et BNC. Là dedans, on surcouille ça le BNC qui n'a hôtel Oasis. Même conseil présidentiel transition, hein, pas oublier conseil président yo. Chaque nèg yo yo sensé gen chambre hôtel yo nan différents hôtels nan capitale pays. Depuis ce côté qui gen hôtel qui fréquenté yo gen chambre yo là. Pour yo faire réunion, pour yo faire rencontre, ça gen nan Caraïbes, gen nan Caraïbes, ça gen nan Oasis, gen nan Oasis, ça gen nan Kinam, gen nan Kinam. Mais principalement selon nous même pour qui ça? C'est nan hôtel Oasis que nèg yo véritablement yo te décidé pour yo rencontrer avec Raoul Pierre-Louis avec et président conseil administration BNCA. Jom tap ba nou détail yo.
sur coup sal BNC ça qui dans hôtel Oasisan, c'est sur coup sal yo ça se mette là pour les et comment on te ka dit ça par rapport avec Jean Pays a venir là et moun ki besoin gros zouzoun ki besoin service et rapide ou ka aller dans sur sal BNC dans banque là ou prendre service ou etc etc. Comprendre les officiels de l'État et gros zouzounyo, oligakyo, etc. etc. Nous comprenons pour faciliter quelques moun. Mais nèg sa yo qui vini faire réunion dans BNC, dans Oasisan, yo connaît, dès le départ, yo connaît BNC dans Oasisan, yo connaît président conseil administration et BNC couramment, c'est l'allié, le plus souvent c'est l'allié. Donc, yo fa, la là on fait réunion là quelques petits bagages si au besoin la facilité au plus rapide. Donc dossier carte de crédit a son bagage qui fait vrai son bagage qui parlait mais pour président Smith Augustin pour justifier li bail des détails lui même nous pral gagner pour entendre tout détail que Smith Augustin li bail dans dossier carte là ça veut dire quelque part et scandale BNC a son bagage qui fondé li fondé sous déclaration Raoul Pierre Louis li fondé sous ensemble d'éléments effectivement Smith Augustin li signé pour carte de crédit a li signé pour carte de crédit BNC a mais kounia étant donné son président lié donc nèg la carte de crédit est-ce que kounia te gon côté le signé Raoul Pierre Louis pour le dire Raoul Pierre Louis c'est ou pral prêter carte de crédit a non. Donc, quelque part, Smith Augustin, les nègres yon dou, yon gen bagay pou yon défendre, yon non premier réunion, yon prend téléphone Raoul Pierre Louis, li pa ka enregistre yon, c'est seulement déclaration Raoul Pierre Louis, ou bien si Raoul Pierre Louis et li ka rive jwenn kek image, caméra, etc. Seul kon sa pou ta défendre, mais est-ce que la rive jwenn yon? M'pral permettre nous gagner plus de détails. Parce que dossier BNC ça bagay la paraît plus compliqué, bagay la paraît plus drôle dans moment n'a parlé là. Et li extrêmement important pour nous attendre déclaration Smith Augustin. On nous maintenant aller droit au but. Monsieur Augustin, nous cité ensemble avec deux autres président, conseiller président Gérald Gilles Emmanuel Bertillère, comme mon monsieur Raoul Pierre-Louis, par l'intermédiaire de son avocat, a fait quoi que nous avons fait pression sur lui pour lui banon 100 millions de gourdes, en façon pour Kembel dans tête BNC, Banque Nationale de Crédit. Avant même que me pose des questions à partir de ça qui a circulé, ça qui a dit, puisque tout le monde entier qui connaît, qui a des informations déjà. En fait, l'information, même dès qu'il a dit allégation, tout, dès qu'il a dit n'importe l'autre bagaille. Vous avez possibilité aujourd'hui pour dire nous qui ça bagaille là y est exactement. Bagou qui sont connaît, non? Qui sa bagaille la yé, M. Augustin? A-t-il eu rencontre? A-t-il eu demande? Si oui, combien? Était-il question de garder M. Pierre-Louis en échange, bon, pas de rançon, mais en échange d'argent, 100 millions de gourdes? Non, non. Ah, bon, maintenant, bagaille, c'est qui ça lié et qui ça mène nous là? Qui sont qu'a dit la République? Bon, ben c'est le concerné lui-même qui va bailler explication sur le motif que il gagne pour faire ça. Ça me dit c'est que me rencontré deux fois et dans le cadre habitué lui avec Gilles, c'est sénateur Gilles, président Gilles. C'est des monde qui connaît longtemps, nous t'ai salué. En plus, il était invité nous que t'a offert un dîner pour te recevoir nous etc. très cordialement. Et c'est pour ça que je toujours dit parce que le premier monde qui est vraiment affecté par ça, c'est le président Gilles lui-même, parce que lui l'a toujours présenté comme un ami. Donc, je ne vois pas comment il a exercé des pressions de ce genre. Deuxième chose, c'est que le conseil là, Gonjean, il travaille, Gonjean, il est élu, ou nommé directeur général. Et depuis la
depuis le, la, l'adoption du décret, c'est des votes 5 sur 7. Dans aucun cas, nous pas capables, nous-mêmes, dans le cadre d'une procédure qui était faite en toute transparence, et écoutez que c'est des citoyens qui estiment qu'il y a des compétences et des expériences dans la banque, notamment dans BNC et BRH, qui postulaient près d'une quinzaine de, dossiers que nous analysons ensemble, les 9, même si c'est nous 7 qui avons le droit de vote, les 9, et que nous, procédons à l'élection et les, à renouvellement du conseil d'administration. Donc, moi, comment nous-mêmes trois sommes capables de gagner une entente, il m'a dit illicite comme ça avec, avec monsieur Pierre-Louis. Et dans deux fois que je me rencontre, en ma présence, il n'y a jamais eu de discussion de ce genre. Et mettez quiconque en défi, lui-même ou avocat ou n'importe qui, prouver le contraire. Et m'étonner que plusieurs fois, avocat a parlé, il dit qu'il y a des preuves avec des échanges de messages, voire de vidéos, que le pas avancé déjà. Je regrette que hier, M. Pierre lui pas présenté ULCC, peut-être qu'il a bien chance pour le bail pour ça, ou peut-être prendre d'autres voies pour que lui-même lui prouve. Parce que moi, personnellement, je commence un petit peu fatigué avec ça, parce qu'il va de mon honneur. Encore, qui c'est la conseil présidentielle, qui sont encore prestigieux. Nous, nos situations très difficiles, que nous avons des bagages beaucoup plus sérieux pour nous régler. M'espérer vraiment que M. Pierre est capable d'avancer des preuves, et de gagner, si jamais il a gagné, parce que je crois qu'il n'a pas gagné. Téléphone à disposition, et capable de vérifier, nous parler une seule fois, et dans le téléphone. Donc, je pense que c'est des manœuvres et dont les raisons sont encore occultes, cachées. Et je pense qu'avec le temps, on a fini par montrer les vraies motivations. Mais c'est comme certain, c'est que il y a des forces de la société qui continuent à croire que CPT n'a pas existé, qui continuent à croire qu'il faut discréditer le conseil présidentiel là, et encore plus attaquer. Et ça n'est pas le président tout là, parce que c'est le prochain président et conseil là, en octobre, et Gilles, c'est le dernier président conseil là. Je pense que tout ça, nous prenons. Ça continue. Par exemple, avec la question visa qui est coupée, qui s'est menti. Hier, plusieurs tweets révélaient que je révoquais le directeur de cabinet dans le scandale, ça, ce qui est absolument faux. Donc, c'est un ensemble de constructions dans l'opinion, c'est la fabrique de l'opinion qui fait du mal. Mais c'est dommage parce que, je vous dis, nous sommes une société de post-vérité. Dans le temps, le journalisme ou les techniciens de l'information, leur souci, c'était de révéler la vérité qui était cachée à la population pour que la population réfléchisse. Je vous dis, nous avons un cadre côté que c'est des informations qui ont circulé, ce n'est pas le souci de la vérité, mais c'est souci pour faire buzz, c'est souci pour gagner des views, et c'est souci pour soutirer de l'argent à des forces eux-mêmes qui ont intérêt pour faire une information ou une information passée. Moi-même, c'est très douloureux pour continuer dans la presse à parler de ça. Mais vraiment, je souhaitais que ça arrive en côté et que mon yo commence à finir par découvrir qui sens et qui ça qui derrière ça pour que nous-mêmes et nous continuions à faire ça bien pour nous faire dans le cadre du conseil présidentiel là. Non contexte où le pays n'a pas qu'à attendre, le pays n'a pas besoin de ça, pas besoin de scandale de plus, encore moins un scandale fabriqué. Merci, M. Augustin. Ou rencontré M. Pierre-Louis deux fois. Est-ce que tous deux fois, c'était dans l'hôtel? Non, non. Pas oublier, je crois que le circuit BNC dans l'Oasis. Et c'est dans le cadre d'une visite avec un ami qui était là et que nous avons discuté et que M. était invité à passer. M. dit qu'il devait saluer nous. Il est venu saluer nous, parler de Botlan. Que il m'a dit comment situation y est, comment situation Botlan y est, parce que dit que Botlan situation difficile, etc. Et que Gilles dit non monsieur, on nous parler de ça, de situation Botlan, sans amis de longue date, etc. Je profitais de l'occasion pour dire que monsieur m'a aimé présenter nous à famille moi, ce que me connaît sénateur Gilles longtemps, est-ce que nous venir nous faire venir manger avec nous dimanche après-midi, etc. Pour moi-même et les dit nous ça, on va être un problème dans ça, parce que c'est un président
du conseil présidentiel, qui c'est pas quand même n'importe qui, hein. Pour moi-même, c'est le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. En plus, c'est un ami. C'est comme par hasard, rencontre l'en fait, ou bien est-ce que... Oui, oui, par contre, il y a des circonstances précises, mais pour moi, nous sommes là avec Zami, qui est invité, parce que... Zami, ça, c'est Gérald Gilles ou bien Vertilaire? Oh, Gérald Gilles, Vertilaire était là, puis son l'autre Zami qui... Donc, c'était nous trois? Oui, oui. Parce que... Trois mousquetaires. On attaque tout sous... sous nous trois, et d'ailleurs, par rapport à et proximité. Non, mais ça a une histoire, parce que CPT a pour le créer. Et des, son lutte qui est faite pour Petit Dessalines, la donne. Son lutte qui était faite, et par aider, bien entendu. Bon, on te présente tout à l'heure, on vous présente en partie aider, mais on vous présente en coalition, pour me dire ça, pour ne pas déranger notre collègue, on vous présente en coalition, aider, raid et compromis historique. Mm-hmm. Mais son bataille qui était faite pour te, dans le conseil présidentiel, là, d'abord pour aider là, parce qu'il y a des gens qui te croient que cela avait existé, il n'était pas supposé là. Son bataille conjointe est défaite avec pour Petit Dessalines et pour 21 décembre, pour que vraiment tu aies un conseil là le plus inclusif possible. Et ça veut dire que tu as une proximité, et une proximité entre nous trois, tu as créé un bloc majoritaire, que tu as une discussion sur les notes ouvertes pour que pour sauver et pour garder une bonne harmonie dans le conseil là. Nous décider dissoudre le bloc majoritaire, nous aller vers et on l'autre structure, mécanisme de décision 5-7 pour que nous sûrs que pas gagner 4 monde qui voter toujours dans le même sens et nous aller vers présidence tournant. Donc une histoire de cheminement avec deux autres camarades ça qui pas gagner de complicité dans cas dit dans bagaille qui est illicite. Mm-hmm. Est-ce que c'est dans première rencontre là ou bien dans deuxième rencontre là question l'agent a évoqué? Ah ben ni une ni l'autre. Ce n'est pas de question, d'autre plus que, notamment dans le dîner, c'était un bagage totalement amical. Je regarde Gilles qui a dansé avec belle-sœur, Pierre-Louis, etc. Parce que ça étonnait vraiment. Mais son leçon pour nous comprendre journée aujourd'hui. Et quand on est ce que l'on est, même des invitations qui paraissent anodines, on est tout capable d'éviter. Et si c'est pas moi-même, si c'est émalé désormais, que des invitations de monde, pas inviter, que je connais. Et que pas rien qui est capable de briefer dans le cadre de rencontre avec eux. Oui, mais rencontre ça lui-même, où dit ce monde pas, est-ce que c'est Gérald Gilles qui a dit en allant dans rencontre ça? Non, mais le jour où c'est rencontré à Oasis, il a fait l'invitation à tout le monde. C'est Raoul qui a invité. Oui, oui, qui a fait l'invitation, monsieur, m'inviter nous là pour dîner. Madame moi dit, Gilles, il a trop content, wow, parce que l'entend pas, qu'on a ses présidents, et mon cher. Oui, mais c'est dans quelles circonstances l'invitation ça? Est-ce que c'est une commémoration, un mariage? Ah non, non, non. Yeah, baptême, une invitation dimanche après-midi. Monsieur passé, nous avons ensemble, et puis nous avons mangé ensemble, de façon amicale. Donc, pas de gain du tout, ni pression, ni animosité. Donc, je ne comprends pas. Mais j'espère. On nous fait un petit campé là. Parce que tout à l'heure, nous avons procès verbal. Et Darius Tapliant, nous tendait c'est Gilles qui t'a dit et Raoul Pierre-Louis fait manger, font dîner, n'a vini chercher bagaille là. Et pas connait si nous vraiment prend temps nous pour n'attendre des détails que Saint Augustin a bail. Si n'a suivi fil idée tout ça yo dit qui fait yo, que ce soit rencontre Raoul Pierre-Louis avec trois et CPO, etc. Tout ça yo, c'est des bagailles qui produit, c'est des bagailles qui fait vrai. Cependant, ça qui change dans la version yo, c'est exactement le contraire de déclaration nèg yo. Dans le premier, dans le procès verbal, déclaration, dans le témoignage que Raoul Pierre-Louis lui-même lui fait, lui dit c'est président Gilles qui dit le fait dîner, préparer manger, il a vini manger, il a tout vini chercher bagaille là. Là nous tondé Smith Augustin lui-même lui dit c'est Raoul Pierre-Louis qui t'a invité yo. On juge qui pral gagner pour le trancher dans dossier ça. Pied enquêteur, yo pied juge yo et yo maré, pied prend de grand souvenir parce que les faits sont là. Rencontre dans hôtel Oasis en fait. Nous pral tendre version carte de crédit. Yo. Dîner à l'IFET, c'est simplement le contraire de déclaration négo, c'est ça seulement qui différencie ça. Et comment nous pral rive de se chercher la vérité? Eh bien, ge bagay qui pral dit là, ge des séries de titres ou vides qui pral mette, nous pral comprendre. En vase. Un jour, à ma place, et M. Bielu, peut-être Kavina,
expliquer comment changement ça fait et jusqu'à ce que il t'a prétendu que nous il t'a sous pression pour une question de pour faire le rester dans poste. Non plus que m'expliquer procédure pour faire nomination de renouvellement ou de membre conseil là qui vraiment en aucun cas il pas t'a fait déjà et je t'a prétendu qu'il t'a fait moi un an que les concombre quelqu'un qui t'a ban nous. Alors monsieur Augustin, d'après moi retourner sur point ça avec vous. Qui vous a invité à ces deux rencontres? Est-ce que c'est monsieur Raoul qui invite la Kaili dans tous les deux rencontres ou bien vous te fait accompagner de Gilles qui est plus proche monsieur Pierre-Louis pour aller dans rencontre ça? On a déjà précisé la première rencontre, on était à Oasis, on était dans une rencontre et honnêtement m'a songé quelqu'un là introduit. Est-ce que c'est Gilles ou un autre, je ne me rappelle pas, qui l'a introduit et puis nous causer sous Baclan, etc. La deuxième fois, donc, c'est lui qui a personnellement invité, quand il a été empêché, il n'a pas été chez lui dans le dîner. J'ai été moi-même avec Gilles et du début à la fin, c'était une rencontre cordiale, il nous a accompagnés même au parking et puis c'était tout. C'est la dernière fois que je me rencontre. Est-ce que M. Pierre-Louis, c'est un monde à ce moment-là qui était inspiré nos confiances? Pour moi-même, oui. Et comment expliquer Jodia que c'est lui-même encore que tu as dénoncé nous? Bon, c'est à lui d'expliquer. Tout ce que je sais, c'est la seule fois que je lui ai parlé au téléphone, il m'a appelé pour me dire est-ce que c'est vrai qu'on avance avec le processus de nomination d'un nouveau conseil d'administration? Je lui ai dit oui. Et je lui ai dit voilà comment ça s'est passé. Il dit que est-ce qu'il y a un certain moment, il n'y a pas de monde qui t'a proposé? Il me dit non, il n'y a pas de monde qui t'a proposé parce qu'il était fait sous base de CV que nous analysons. Il y a 15 CV. Que nous analysons et nous n'avons aucun cas, il n'est pas capable là parce que procédure là, il faut que le monde qui introduit le dossier et que nous analysons le dossier. Et nous sommes tellement tiens à ce que son processus qui est rigoureux, là pour nous départager sur deux candidats pour président ce conseil là, nous sommes obligés de faire une interview directe. Il n'y a pas de là, il était sous Zoom, l'autre était présentiel. Et c'est comme ça fait. Pas de gagner possibilité pour te gagner en cachette, pour te gagner un contrat, ou un deal avec quelqu'un sous renouvellement ou sous garder le conseil là. Donc je ne comprends pas. C'est vraiment ça. Je ne comprends pas. Qui est-ce qui partageait avec lui composition éventuelle de conseil là? Parce que l'information que je gagne moi-même, c'est que le conseil là était sur le point, il était sur route formelle. Tu as gagné plusieurs femmes là-dedans, et il y a un garçon, et cet homme-là, qui tape là-dedans, il pas tape Raoul Pierre-Louis. Est-ce que M. Degata a saisi de l'information ça pour qu'il n'y ait pas de chance? Pour le bien bon, sûr. Il était connu. Bien sûr. Mais ça me dit, il est correct. C'est ça comme nouvelle. Oui, on a fait la rencontre, et ça nous a pris des heures, on a discuté sur les dossiers, on a choisi quelqu'un, donc l'arrêté devrait sortir. Entre-temps, il y a eu une discussion. Parce qu'il faut considérer aussi l'avis de la ministre des Finances, etc. Donc, entre-temps, il y a des discussions sur ça. Il y a un conseiller qui n'est pas trop d'accord, qui a peut-être besoin d'un autre profil. Donc, ça a fait que la discussion est un peu plus longue. Mais jusqu'à présent, c'est ça, bien sûr. Vous avez une bonne information. Et c'est la seule fois pour gagner un conseil d'administration qui a 4 filles là-dedans, et 4 membres. Et un président. C'est voilà ça. Encore Guémoni Balzi. C'est ça que je gagne. Mon seul garçon qui gagne, c'est le président, mais c'est ça. Président, tu as mis tes mesdames ou bien monsieur? Bon, comme président, là, pour l'avant, et puis, mais quand mesdames, c'est membre de le conseil d'administration, mais c'est un travail d'ensemble. Qui s'est déjà fait. Est-ce que vous pensez que c'est dans une réaction de la part de monsieur Pierre-Louis, le fait que l'on est, malgré le rencontrer nos deux fois, notre Aïl. C'est vrai que m'ba au courant de nature échange qui t'est fait tu et qu'il malgré ça, il invite nous la Kaili pour peut-être discuter, mais il malgré tout et pas lui-même nous choisit, c'est l'autre qui nous choisit et puis il décide faire scandale avec elle. Peut-être, mais comme je vous dis Wendell, pour être choisi, il fallait d'abord soumettre le dossier, c'était la procédure. Faut soumettre ses vœux et que c'est le conseil, les 9 membres qui étudie le dossier, pas de gagner. Le conseil n'a pas de jambe d'avis. D'ailleurs, le conseil actuel, parce que notre conseil n'a pas pour installer, il est dysfonctionnel. C'est de 5 membres, le conseil-là, mais il a fonctionné avec 2 personnes seulement. OK? Donc, ça ne fait que discussion a été faite entre nous pour que
rendre conseil là fonctionnel et quelle est la procédure qu'on va appliquer. Eh bien, tout le monde qui connaît des gens qui ont des compétences pour ça viennent avec des dossiers ou les gens remettent des dossiers au conseil. Nous avons reçu 15 dossiers. On a fait des analyses objectives sur les dossiers et je crois qu'on a fait un bon travail, qu'on a vraiment choisi les meilleurs. Sous base des CV et de rencontres individuelles, d'entretiens individuels avec deux candidats pour président. Et ce n'est pas les moindres, c'est des gens qui gagnaient plus qu'une quinzaine d'années dans BNC ou dans le système bancaire haïtien en particulier. On nous fait un petit campé là. On va équiparer ton petit Jean et ton petit Jean flou. Et parce que Raoul Pierre-Louis, c'est pas ton monde que nous te connais. Bon, et Smith-Augustin, en parlant de Smith-Augustin, Emmanuel Vertilaire, mais c'est bon ami Louis-Gérald Gilles. Personnellement, si Raoul Pierre-Louis t'a gagné yon monde direct pour le relayer, pour le demander des informations sur composition conseil d'administration BNZA, bah qui intérêt pour ta gagner pour les Smith Augustin parce que Smith Augustin son moun ni à peine croisé, c'est pas un moun ni connaît, moun ni plus connaît, moun ni plus à l'aise, li kon hang avec là, c'est docteur Louis Gérald Gilles. Donc non pareil dossier, premier moun si on ba comme ça pour les c'est pas nerf pour dire hey yo ça passe là ça me tendez là à pas me tendez conseil administration monter galem baladan galem dormi dehors etc. Li relé Smith Augustin. Mais proximité ça qui est en train de développer non grain jou croisé à moun nan sou ki base. Est-ce que tu as gagné des antécédents? Non. Nous rencontrer, c'est Gilles qui présente au lit etc. Ça veut dire quelque part pour d'une gagner échange qui fait et probablement numéro changé et probablement tu peux m'appeler me demander des informations si possible si nécessaire ma ba ou ça me connaît etc. Faut que tu aies un bagage qui te dit. Ba avocat du diable, ba avocat et Raoul Pierre-Louis, mais gè kèk ti bagay ki paraît louche. Gè kèk ti bagay ki paraît louche parce que au conseil administration montre pa gè aucune proximité avec président, zo moun ou a peine croisé pour on gèt nan relé président mandé des informations etc. C'est parce que probablement t'es gagné des antécédents, gè bagay ki t'es parlé, gè bagay peut-être ki t'es dit. Donc, c'est ça que vous voulez nous comprendre. Et on juge peut-être, si le dossier est arrivé, la justice, tribunal, etc., on juge qu'il a gagné pour pencher sur le dossier. Il a gagné des milliers de questions pour le poser tête. Et là, on vient comprendre véritablement, dans ce que tu as pris dans le procès verbal, côté Raoul Pierre-Louis te dit, l'Iré, les Smith-Augustin et docteur Gilles, président Gilles, te dit les Smith Augustin, les Smith Augustin, etc. Ça veut dire, nègre, yo te gon certaines connexions. Non, premier temps, Raoul, dans la déclaration, le fait, dit Smith Augustin, dit que ou baye, que ou pas baye, m'a voté pour ou. Après, dit Smith Augustin, dit ou ba nous ment, ou pas ba nous en, et pas parler de moun nous comme ça, même, etc. Donc, quelque part, en si peu de temps, nous avons dit que nous avons une certaine proximité qui développe monsieur. A tort ou à raison, il y a quelques bagailles, président, le parti nous dit pays. Mais on avance. Il y a un confrère de micro, moi, un collègue, qui a écrit un texte, bon, par contre, qui rapprochement qui est entre moi-même et lui-même, par contre, compréhension de tout. Mais le titre du texte, là, Smith-Augustin serait-il le dindon de la farce? Est-ce que vous-même, vous pouvez répondre à la question ça? Autant de monde, bon, comme il dit qu'il a joué, autant de monde qui a utilisé là-dedans. J'ai lu le texte et je sais qu'il est de Jackson Joseph. En effet. Et je suis très fier que Jackson ait porté témoignage. Pour moi, c'est quelqu'un que je connais depuis une vingtaine d'années. On était ensemble à Saint-Martial. Et je me dis, mon cher, m'avait écrit ça parce que je connais qui est souillé. Et je me dis, mon pam pour me dire, pour me connaître. Mounsa qui ça le café et dans ça met la Smith ou pas Caladan. Est-ce que tu as partagé quelques informations avec lui? Non non, Jackson Joseph me connaît. Non pas du tout. Il me dit que il a voyé le texte pour moi et je l'ai lu et je lui ai dit merci. Mm-hmm. Parce que me pensais et honnêtement, on est le Théodore et je suis pas et tombé de la dernière pluie, j'ai 41 ans. Même nos joueurs politiques qui pas petit. Et que je ne vais pas minimiser, non d'ailleurs, mais que je vais découvrir en pleurs de plus en plus de qui ça veut dire, journée Jodia, un jeune garçon qui décide de faire politique et qui
pral prochain président conseil présidentiel là et que ça ça probablement fait peur. Est-ce que vous regrettez qu'on a dans deux rencontres? Non, parce que pas gagné pour regrette et pas gagné me fait que me pas de faire certainement sous moi dit est-ce que si me gagné pour m'aller encore? Non, parce que c'est ça t'a certainement évité que m'obliger là avoir à parler de ça. Mm-hmm. Mais j'assume. Est-ce que là où toi dis-nous tout que ou même en ton âme et conscience ou senti que ou connaît que ou en paix et ou ka défendre tête ou mon pas ka défendre l'autre deux collègues ou l'autre deux conseillers président ou. Pour ça qui parlait devant moi oui parce que moi même ka parler pour deux rencontres qui fait notamment pour deuxième rencontre avec les pattes là du tout donc pas une façon pour dire dans deuxième rencontre qu'on va qui te dit. Pour ça qui parlait devant avec nous entre nous trois, je peux les défendre, mais je ne peux pas dire ce qui a été dit sans moi, donc pas en ma présence. Okay. Pour ce qui a été dit, discuté en ma présence, oui, bien sûr. On s'est dit tout à l'heure que le téléphone est disponible. La WAP dit nous que pas des échanges ou même ou fait, que ce soit sous groupe WhatsApp, ou bien directement entre vous-même et Raoul Pierre, Raoul Pierre-Louis. Non, bien sûr. Bon, enfin, j'ai un rang comme conseiller président. Je ne peux pas dire que je mets mon téléphone à disposition de la justice. Ça a une procédure comme président, mais je peux, dans un cadre personnel, individuel, ou même après, je peux vous montrer. Je lui ai parlé une seule fois et je n'ai jamais échangé de message avec lui. Jamais. Ah, donc, tu as parlé au téléphone. Au téléphone, une seule fois. Quand il m'a appelé, je vous ai dit, il m'a appelé me dire, il a appris qu'on a fait la discussion sur le conseil, etc., etc. Et je lui ai expliqué la procédure, voilà ce qui est fait. Est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce scandale, entre guillemets, de ce scandale présumé? Est-ce que vous mesurez l'ampleur? Bien sûr, je mesure toute l'ampleur, mais en même temps, je mesure toute la faiblesse du dossier. Je n'en suis pas dupe. Je sais que c'est un scandale fabriqué qui a des mains cachées. Donc je sais qu'après ce scandale, il y en aura d'autres fabriqués. Et d'ailleurs, on me dit que ouais, il y a une question visa, il y a une autre question qui a venu. Je me prépare à ça, je n'ai pas peur. Je me connais et je sais qu'il y a des gens qui me connaissent aussi, qui me font confiance et qui sont toujours là pour me défendre. Et avec raison, parce que je n'ai rien pour me décevoir personne. Et avant de arriver dans le conseil présidentiel, j'ai un parcours. Et je commence à travailler dans ma vie depuis 20 ans. Et des gens qui m'ont côtoyé professionnellement ou qui m'ont côtoyé comme camarade, comme condisciple, comme confrère, me connaissent. Et ils savent de ce. Ils me connaissent. Et j'ai un crédit dans cette société. Et ce n'est pas pour rien que dès que je suis revenu de la France, j'ai fait un point de presse, j'ai parlé, je me livre aux journalistes, aux vrais, et pour répondre aux questions librement. Avec transparence. Donc, je n'ai pas peur. Je mesure l'ampleur, mais je n'ai pas peur. Bon, on nous campe là avec le président Saint-Augustin. Saint-Augustin, il s'en s'est dit, et il n'y a pas qu'être causé là. Il parlait de rencontrer avec Raoul Pierre-Louis. Et c'est une machine politique qui a des mains cachées derrière. Et scandale ça pour Saint-Augustin, parce que il soulevait. Problématique présidence tournante là parce que en octobre c'est lui qui prend le nouveau président des présidents, c'est lui qui prend le remplacer Edgar Leblanc fils. Pour lui c'est tractation politique, c'est monde qui voulait déstabiliser conseil là, qui voulait déstabiliser et Saint-Augustin, qui voulait déstabiliser structure que le représentait yo, c'est ça qui fait à attaquer. Mais ça qui sûr, ça qui certain, c'est que déclaration Raoul Pierre-Louis, déclaration Saint-Augustin, seul ça qui est différent là-dedans, c'est rencontre, côté yo rencontré, côté yo te chita parlé, etc. Tout ça, yo, c'est des faits. C'est seulement déclaration qui contre. C'est comme si m'dou, moi bo 5 goud, m'ba entel 5 goud, m'ba Jean 5 goud. Et puis Jean vini, bi kwazon l'autre, on dit, oh, m'ba Yannick 5 goud. M'di m'ba Jean 5 goud, Jean dit, moun ni bon 5 gout. Donc là, elle a vu notre jambe mélangé. Comment yon pral fait découvrir la vérité? Hein? Et si pas yon des éléments change pour ta wè vidéo, pour ta tende et audio, côté nap tende discussion, débat, dialogue ou bien des messages qui t'a partagé, etc.
nous pas jamais véritablement connait de quoi il en est qui sa bagaille là et tout. Cependant, nous gagnons Aodon bien-aimé. Aodon bien-aimé, pas oublier Smith Augustin te prend le soin dans commencement pour bail détail. Côté, il pas seulement représenter aider, c'est une coalition qui gagne aider, qui gagne raid, qui gagne compromis historique. Compromis historique, nous gagnons Aodon bien-aimé qui était membre compromis historique. Eh bien, Libralvin dit pays, comment le comprendre, ça qui a passé en dedans, conseil présidentiel, là, côté, l'ité représentant, et l'ité fait partie de compromis historique, Smith Augustin était représentant, yo, dans compromis, journée aujourd'hui, pour Aodon bien-aimé, n'exa yo, trois conseillers, ça yo, c'est moun yo ta supposé mettre un petit cloche dans kou yo, mettre un petit cloche dans pied yo, tout côté a passé, pour payer ta konne mes volets mes chats mes mimimyo yo ta kou moun ki gen peste ta kou moun ki pa konnen ki contaminé et cetera et cetera. Nous pral tande tout détail a Aodon bien-aimé li même li a bay et ki important nan scandale sa nan débat politique là nan moment nous tande ensemble. Mais finalement jodi a gon scandale ki pété. Comment ou même ancien député Aodon membre ENA qui était dans le compromis historique qui pratiquement pas là encore. Comment on va analyser ce qui est là? C'est avec cessement, tristesse, amertume, désolation, nous apprenons nouvelle ça à travers les médias, les réseaux sociaux et dans la bouche d'autres acteurs politiques. Parce que c'est après d'autres acteurs politiques. Si nous répétons, nous-mêmes, nous obligés de répéter le tout parce que nous faisons tellement de travail, des travail assez dur que nous faisons. Pour nous arriver à consensus ça, pour nous accoucher ça que tu as accouché. Et pour nous demander des secteurs, parce que des secteurs sont isolés dans le choix de représenter dans le conseil là. Et que des secteurs, c'est choisi, choisi mon aïe dans l'élection, dans la concertation. Mais que des gens, c'est unilatéralement qu'ils ont choisi. Certainement, mais je dis à nous, je mets dans la tête nous. Ça, c'est pas gars, ils n'attendaient qu'à passer en dans le conseil là. Moi-même, m'a demandé l'autre même conseil yo, qui connaît pas impliqué à comme aussi ta beaucoup de monde ça. Parce que ça me pose des questions ça. Ça me pose des questions ça. C'est animal malade de la peste. Attendez. Son accusation quand même. C'est bon jugement. Longtemps non Jean. C'est une maladie lèpre. Le monde gien lèpre. Longtemps doit venir c'est un cloche bon kembe dans mon poissonner pour dire les pour y venir. Oh non, allez trop loin. Allez trop loin. C'est une simple accusation. Son accusation qui est grave. Nous avons dit que nous avons dit Attention. Et que nous n'avons pas caché à bon côté. C'est une accusation certainement. Mais tout souvent, on dit que la femme de César doit être au-dessus de toute soupçon. Exactement. De tout soupçon. Absolument. Mais c'est ça aussi César lui-même. C'est pas la femme de César. Non, soupçon de la Judia. C'est César même. Le César soupçonné, vous prenez des soupçons qui parlaient de corps ministère qui vend pour 3 millions de dollars. Il y a l'autre accusation qui fait des corps renseignement qui séparent entre vous. Il y a des postes, il y a des rumeurs, tout côté neuf, poste direction générale, il n'y a pas pour l'argent dans la direction générale, dans le directeur pour faire une réalité. Et souvent, il y a toujours trois mousquetaires. Il y a toujours ces trois mousquetaires. Là, il y a trois soupçons. D'ailleurs, dans l'article 33 de réalité, il y a des soupçons sur personnalité sérieuse. Personnalité sérieuse qui doit être au-dessus de la mêlée, qui doit être respect, qui doit être crédible, qui doit être honnête, qui doit jouir toutes sortes d'honnêteté et privilèges que un président est capable de gagner. Article 33 de réalité, il y a des soupçons sur eux, force de tête de retirer eux. Comment on parle d'une des personnalités qui sont là pour organiser l'élection. Personnalité qui l'a pour organiser une conférence nationale. Personnalité qui l'a pour prendre décision pour mettre directeur général, pour mettre MAP CEP, pour choisir et puis pour orienter MAP CEP. Je dis, il y a une bonne poste. Et ça, c'est encore pire. BNC, mes amis. Président BNC, c'est l'agent client, oui, l'agent Mounoui, l'agent Gazette Haïti, l'agent paquet institutionnel, c'est pas l'agent. Oui, mais c'est Mabou, mais il y a contre toi. Non, mais toi, comprends. Pour continuer à gérer l'argent, peuple là. Il faut avoir 100 millions de coûts, il faut avoir 4 de crédit, 100 000 dollars.
les mêmes à son tour, les mêmes pour le détail, on a fait que 20 000 dollars. C'est grave. Alors, qui est-ce qu'a fait? Des présidents. Des présidents. Ça, Zim Gounia Assad. C'est pas avant de voir le 20 poste député. C'est pas avant de voir le 20 poste sénateur. C'est pas avant de voir le 20 poste magistrat. C'est pas avant de voir le 20 poste président. D'ailleurs, Assad nous témoigne dans le pays. Pour nous mettre en pile combat. Nous nous sommes qui nous mettent en pile. Son gros militant. Ou connaît bien qui ça coûte pays. Je dis à l'année des députés contestés. Des députés qui baillent l'argent pour être députés. Des sénateurs qui baillent l'argent pour être sénateurs en bas. Les rives en bas, ils vont travailler pour pays avec. Il n'y a pas des serviteurs qui ont service et à l'écoute. Il n'y a pas une tente de voir le peuple là. Il y a une tente de l'argent parce que tu as acheté pour ça. Je dis à ce qu'il y a pour nous retirer pays à côté de là. Je dis à ce qu'il y a deux mondes qui là pour baillent le ton. Qui devraient un signal clair. Et puis je dis à. Pour ces gens qui n'ont pas accidé dans toute la boue, dans toute fatra, dans toute couloir. Mais même moi, je dis, Mounsa aujourd'hui, comment les autres 6 membres pour chita dans la réunion avec les Mounsa? Comment les autres 6 membres pour accepter une décision qui prend aujourd'hui dans nos pays, dans nos nations, pour ces Mounsa qui signent la donne? Comment le Conseil des ministres pour chita ensemble avec tout le Mounsa en Conseil des ministres pour regarder? Comment Premier ministre, quand je avec toi, Mounsayo, pour prendre une décision dans nos pays, dans nos peuples. Je crois que je dis, quelle soit la décision que tu prends à partir de moment où l'accusation a commencé. Tu as une signature, toi, Mounsayo, là-dedans, décision ça a protection de plus. Quelle soit directeur général, ou bien un membre CEP, ou bien une autre décision, soit conseil DRH et autres, tu as une décision qui prend aujourd'hui. Toi, Mounsa, vous n'avez pas qu'à signer la donne parce que vous avez une hypothèse sur la tête. D'ailleurs, je vais parler plus loin avant. Dans Daniel 6, verset 4, 13 à 16, la Bible racontait nous, le roi Darius, qui te remet Daniel, en pile, puisque Daniel te péché contre la loi des Mèdes et des Perses, il va aller chercher défendre Daniel. Il te dit, Daniel, que bon Dieu l'a pas protégé, loi des Mèdes et des Perses dit, faut la gauche de la force au lion. N'a pas la gauche de la force au lion parce qu'on péché, moi, pile, c'est vrai, Daniel. Nous parlons de force lion. Je dis à comment deux mondes pour dire que pour que deux mondes nous délégués la crise, ils ont violé l'article de droit décret. Ils ont fait ça, ils ont pas de faire, et puis pour camper, ils ont défendu. Là, qui figure. Donc, ça veut dire que faut. Ma fini. Souvent, ils ont dit que c'est le loyer. Soit ils ont défendu les qui coupable. Eh bien, ça veut dire, ou même coupable, même j'avais. Non, on pas dire coupable. On pas dire coupable. On pas dire coupable. On pas dire coupable. Un jugement. Son accusation, pas de preuve pour ça jusqu'à présent. D'accord, mais soupçon est grave. Mais pas qu'à dire okay. Coupable. Ok. Des soupçons aussi graves, ou pas tant de monde à défendre tête, ou pas tant de monde devant le tribunal qui problème sur yo. D'ailleurs, c'est ça qui a été prévu, oui. Il veut voir si bon monde qui tombe, pas gagner tribunal compétent qui vous tendez dans yo parce que c'est des conseillers présidentiels. Mm-hmm. Comment ULCC peut pas le temps de monde ça yo? ULCC d'ailleurs, c'est du bal de l'Union. Or, en ben ULCC, c'est des subalternes encore qui enquêtent, c'est des subalternes directeurs qui vont enquêter sur des sous-subalternes. Dans ce sens-là. Donc, pas de enquête qui. Vous avez pas de enquête qui a mené, donc, n'est-ce pas une portion ou bien ça va le passer? Non, article 1 doit être clair. Article 1 doit être clair. Dans le décret, les idées de soupçons. Soupçons. Depuis qu'il y a un bruit, depuis qu'il y a un réel en moi, c'est pour ce que vous avez arrêté, vous avez mis à l'index, vous avez mis à côté. D'ailleurs, nous sommes pour l'histoire Jonas, non, Jonas 6, verset 13 à 16. Daniel 6, verset 13 à 16. Mais on a regardé dans Jonas 1er, verset 4 à 15. Ça dit, Jonas est dans le bateau dans la mer. Il est représenté à temps pour le bateau. Ils ont obligé la question dans la mer pour sauver le bateau avec tout le peuple là. Je dis à pas ton pays d'Haïti, toi, Mounsa, il vient de représenter une menace à construction ça. Toi, Mounsa, il vient de représenter une menace pour conseil là. Toi, tu as vu mon service de restaurant menace pour le gouvernement. Si, je ne vais pas retirer toi, mon service dans le conseil là ou bien dans le bateau gouvernement, dans le bateau conseil là, toute décision conseil là pour le prendre, a bien hypothèque sur tête et a très douté parce que c'est vendu au vendredi. Est-ce que vous pensez que CPT a lui-même en soi, s'il n'a pas bien géré le bagage à lui-même tout, il a coûté le chien? Ah, non. Connaissant mon CPT à la gamme. Grand-père, mon CPT là, jusqu'à date, nous n'avons pas de bénéfice du tout. Nous connaissons très crédible. Si vous-même, il y a souillé, rat blanc souillé,
bon côté monde ça parce que bon bagage qui dit de voir là-bas quoi de bouchit à côté il y a tué bœuf sans cavoler chaud il y a même acheté à bon côté pour sans voler chaud pour ça lio ça c'est eux-mêmes mais nous disons faut CVTA prend distance lui avec trois monde ça qui accusé là jusqu'à ce que lumière fait sur question ta CVTA va arrêter pour va travailler il va arrêter pour va prendre décision. Si CVTA va arrêter pour va travailler pour il va arrêter pour va prendre décision. Faut CVTA lui-même l'autre membre yo yo écarté yo pour yo et à prendre décision après en attendant secteur yo soit décidé à remplacement yo ou bien la justice blanche yo ça fait nous demander pour yo pour mettre un petit pause sur fonctionnement moun sa yo sur présence yo dans conseil là parce que nous estimons que accusation sa yo est tellement grave yo dépassé les bornes nous autres nous dit que faut. Par exemple, gagné Smith Augustin, Smith Augustin lui-même, lui, monsieur dit le pape démissionner, gagné Gérald Gilles qui contestait procès verbal qui dans la rue à conversation, il dit que c'est montage qui fait sous lui. Donc, bah, ça n'a pas fait foi avec eux, donc il n'est pas bon pour eux le vérifier, garder, enfin toute décision. Écoutez, nous sommes tous les déjà. C'est ça même qui soupçonne, je dis à ses pas c'est ça, Dieu prend la voix de la sagesse. D'ailleurs, c'est un accord politique, une décision politique qui devait être. Eh bien, les signataires de l'accord du 3 avril, dont moi-même j'ai signé, pour non, non, Edam, j'ai signé, et si vous regardez à quoi après, vous êtes signé, mais à signé, comme coordonnateur Edam, en tant que national. Eh bien, l'Assemblée des signataires doit réunir le plus rapide possible pour analyser la situation, parce que le pays n'a pas bloqué, son pays qui est en sécurité de travail jusqu'à présent. Grand coup chômage, misère, et tout, on va département bloqué, moi je vais aller là-bas, même aller dans la plateau centrale. Dans tout ça, puisque je te montre à travers une question politique que nous te réunis, je te mettais monsieur, pour aller pour une question politique qui a retiré. C'est une question politique tout simplement qui a retiré. Et bien le secteur a obligé, parce que c'est pas quoi le secteur là, pour qu'on nous délégué, puis accuser avec des accusations graves, et pas seulement accusations, il y a d'autres accusations. Là, je ne sais pas. D'ailleurs, après tout ce que ça, il va faire qu'il doit ouvrir, oui. Parce que monsieur a contacté des deniers publics pour l'argent renseignement dans mes yo. Pour l'argent renseignement séparé entre yo. On croit que c'est pas moi qui pas bon, nous l'entendez le tout. Si l'argent renseignement séparé entre yo, il y a d'autres l'argent qui baille encore, il y a d'autres accusations qui fait. Parce que d'ailleurs, 3 millions, ministère de l'Agriculture, il met ça qui gagne, il faut l'éclaircir tout. Il faut aller chercher ce qu'on connaît, il faut aller chercher ce qu'on connaît. Qui est-ce qui va être 3 millions? Qui est-ce qui a acheté le ministère? On va parler de rumeurs, on va parler de rumeurs qui dit, et c'est Van, puis c'est Saline Van, pour cela? Tout ça, c'est rumeur, mais il faut éclaircir. Si on va éclaircir, il y a des gens qui vont te présenter dans l'élection, non? Il y a des partis, il faut laver des pieds, oui. Bon, son pays, tout le monde dit n'importe quoi, sur n'importe quoi, nous comptons ça tout. Mais c'est ça que nous dit, il faut laver des pieds, il faut éclaircir des pieds. C'est ça que nous avons dit, c'est ça qui a été tout dossier, ça, et puis, vous voulez dire que l'ULCC pas qu'attendre trois conseillers. L'ULCC pas une provision légale pour attendre trois conseillers. C'est ça que nous dit les acteurs politiques, les signataires de l'accord et 3 avril, soit ils ont même réuni et en même temps pas d'avoir réuni pour prendre des dispositions pour chaque secteur qui était délégué représentant et CPTA. C'est crédible là. Faut attention pour pas connaître tout le monde. On nous faut camper là. Moi, j'ai l'impression que conseil présidentiel transition ça va être pirette gonzo poisson qui vient coquer dans gorge peuple haïtien. Nego yo Antonio, conseil président yo pral gen attribution et président. Mais n'ap d'accord avec moi, attribution président li pa gen rien pour wè avec corruption, li pa gen rien pour wè avec vol, li pa gen rien pour wè avec chat, li pa gen rien pour wè avec question et fait mauvais affaire en dedans pouvoir l'état, en dedans administration publique là et pour pral cacher des statuts c'est président ou a joui privilège présidentiel, prérogative présidentielle etc. Non. Non, journée jodi an là, gon seul bagay k'ap fè actualité, on nèg yo pa ka poursuivi parce que yo gen attribution présidentielle etc. etc. Mais attribution présidentielle, là, c'est pour Zach ou faire un exercice fonction.
au scandale corruption, si il y a des faits avérés que nèg yo participé ou impliqué, kou yo pral di m se nan exercice fonction li fè. En dépit de tout ce qu'a dit, mais nous pas comme si continuer avec des séries de et discours que oui OK nèg yo nan dossier corruption, mais il c'est pas qu'à poursuivre yo parce que yo gè attribution présidentielle etc. C'est pour conseil présidentiel. Là, si son bagay sérieux, yo te envie faire véritablement. Gagne trois présidents en dedans conseil là qui gagne soupçon corruption sous doyo, faut que te gagne des dispositions qui prend. Pour en dedans conseil, on pas connait si c'est un comité, on pas connait si son groupe d'évaluation, un groupe en d'enquête indépendant yo t'a pas mettre campé pour un bagay qui fait. C'est comme si malgré nèg ça ou gagne soupçon sous doyo, yo continue à jouer privilège. Yo conseil présidentiel transition yo pas doit payer aucune explication. Tout moun nan bon pa continue à régler les affaires pa yo, li pas normal. Li pas normal, faut gon bagay ki di ak payan si c'est et on ti break yo a ba yo en attendant que enquête là li abouti etc. Mais yo pas ka continuer. Et c'est pas première fois n'a pwè jan de pratique sa yo et pas attend nous que conseil présidentiel transition prend aucune disposition contre yo même. Nous connaissons dans le Parlement, les gains des sénateurs de la République ou bien des députés qui, en contravention avec la justice, qui n'ont toute mauvaise affaire, le pour poursuivre, ils ont une immunité. Vagabond malandré, pas bon ici, ils ont toujours aimé cacher des immunités, des attributions, ils ont gagné. Sous base, c'est la loi qui baille, ça, ils ont fait, c'est sénateur, c'est député, c'est président. Et pourtant, ils ont dans toute malversation, ils ont dans drogue, ils ont dans kidnapping, ils ont dans association malfaiteur. C'est gang amie yo ye, mais qui est-ce qui prend le bataille contre yo? Qui est-ce qui prend l'attaquer yo? Qui est-ce qui prend le poursuivre yo? Donc c'est ça on voulait nous comprendre journée jodi an. Le fait que nèg yo y a caché des statues yo et si en dedans conseil présidentiel transition yo t'a décidé pencher yo pral dou son très mauvais précédent la pied pour yo retirer membre ou bien pour yo et suspendre des séries de présidents ou activités à régler parce que yo pral di et c'est bay moun de yo yon avantage bay pied sous conseil là pour casser conseil là et puis en attendant nèg yo comme yo a pour pas aucune sanction pas aucune disposition qui prend contre yo même y a toujours continuer faire malpropreté continuer faire corruption et puis pas gagner qu'à régler là y a sorti c'est de nouveaux riches qui sorti avec l'argent l'état avec l'argent payant avec des avantages que yo bénéficier et l'argent nous t'a payé encore. Donc, dossier ça, c'est un dossier qui est extrêmement important. Et faut que nous-mêmes, c'est pas arrêter à regarder, arrêter à attendre qui ça pourra le faire. Est-ce que vidéo pourra sortir? Est-ce que message pourra sortir? Est-ce que photo pourra sortir? Etc. etc. Faut que nous réagissions. Faut que nous demandions pour gagner des dispositions qui prend. Parce que tout privilège, ça, y a joué là, c'est avec l'argent pays. Tout avantage, y a bénéficié là, c'est sous deux peuples haïtiens. Donc, nous-mêmes, tout nous gagnons pas nos points. Ça, c'est extrêmement important. Compatriotes haïtiens fraîcheur, c'est là n'a mette en bout dans l'émission pour aujourd'hui hein. C'est un véritable plaisir pour nous te porter information pour vous et restez connecté à channel là jeudi en c'est vendredi 2 août 2024 et weekend là il commencer m'a souhaité nous un bon début de weekend veillez côté n'a mettre pied nous précaution pas capon. Merci tout le monde à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où remet pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et bien sur mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la vallée pays, nous bras le pays.